les amis, merci d'être toujours avec nous. On continue notre petite journée à Hollywood, comme on vous a dit. Merci d'avoir regardé Star Wars, Galaxy Edge, le meilleur land. Parce qu'il est vraiment incroyable. Là, on continue la petite journée avec Boulby et on est dans la zone Toy Story. Ah là, t'as bugué Boulby, elle a bugué, elle suit pas. Hein. Elle suit pas, on est dans la zone Toy Story, regardez. Buzz l'éclair. Bon, pour information, dans cette zone-là, elle est un peu mieux que la nôtre, clairement. Chien, là. Ouais, Boulby, elle nous a fait faire le chien là. Ginky, Spinky, comment il s'appelle? Je sais pas. Bah, je sais plus comment il s'appelle le chien. Je vous montre l'attraction, je vous la montre. On avait fait une heure de queue. Bref, on va pas perdre notre temps dans ce land. On va vous montrer quelques images pour que vous voyez ce que c'est. Mais on va faire d'autres attractions, clairement. C'est bien, c'est un land qui est bien pour les enfants. Il est coloré, il est grand. L'attraction sympa pour les enfants, clairement stylé. Non, Boulby? Pour les enfants, oui. Ouais. On leur montre quelques images du land. Ah ouais, quand même. Allez, c'est parti. Vous avez vu la zone Toy Story, elle est mieux que la nôtre, elle est sympa. Vas-y, on va pas faire l'attraction, on l'a déjà fait, c'est pour les bébés. Ou bien bah, une fois, mais on aura pas deux fois. Elle hein. Est testée, on connaissait pas, là on revient pour une deuxième fois, on va pas refaire. Si vous étiez avec des enfants en fait, là elle est sympa. Et nous, on l'a fait une fois, ça va. C'était sympa pour les enfants. Ouais, pour les enfants c'est bien, mais pas pour nous. Pas pour nous. On va aller le faire quand même une fois. Voilà. On va aller le faire. J'ai réussi à la faire faire un peu. On continue, voilà, une fois pas deux, on continue. Bon, on va aller faire l'une de mes attractions favorites ici. C'est quoi, Boulby? Twilight Zone. On va aller faire ça tout de suite. Ah, j'ai hâte, ça fait longtemps. Let's go, c'est où l'entrée? C'est là-bas. Allez, on y va, on est parti. Hop, sorry. C'était génial. Boubi, elle a eu peur. Non, mais c'est stressant. Franchement, elle est pas pareille qu'à Paris. Elle a eu peur. Non, mais en fait, je peux m'expliquer. Allez, viens, explique-toi. Explique-nous. En fait, elle est pas du tout pareille que chez nous. Ouais. À Paris, elle n'a rien à voir. En fait, celle-là, elle fait stresser parce que on s'y attend pas. Franchement, c'est grave. En fait, si vous voulez, c'est la première partie. Nous, ce qu'on n'a pas, c'est que nous c'est seulement l'ascenseur qui descend. Et ici, au début, c'est un petit dark ride. T'avances dans le noir, et puis il y a des effets lumineux, c'est stylé. Et ensuite, tu rentres dans la cabine où il y a l'ascenseur. Et l'ascenseur, ici, il est excité. En fait, à Paris, on sait ce qui va nous attendre. Ça descend, ça va s'arrêter, ça va remonter, ça va redescendre. Là, non. Là, ça défile, en fait. Ça ouais. Défile. Moi, c'est coup de cœur pour cette attraction, je l'aime trop. Moi, j'aurais pas du coup de cœur comme d'habitude. Hein. Ouais, toi, t'es pas. Non, elle est bien. Elle est bien. Parlez pas avec Boulby. Pas un coup de cœur, on continue ou pas? On continue. Alors, ça, j'aime ça. Là, on est dans la boutique de Hollywood Tower, les amis. Et c'est stylé, j'aime trop. Regarde le mini château là. Il coûte $55. $55, il est stylé. Ça, c'est pour moi, ça. $30. Ça,
Elle est belle, non? Il y a les oreilles Halloween. Et les oreilles Halloween, elles sont à... 85 $. C'est pas vrai. Oh, j'ai flippé, je sais même pas sur combien, il n'y a pas le prix. Je sais pas, mais ça doit être cher. Ouais, ça doit être 30, 35, c'est combien? C'est combien? Fais voir, on voit pas la caméra. Bouge pas. Vas-y, je l'achète, c'est combien? $26. Oh, c'est du toc. Toi, tu mérites mieux, Boubi. Boubi, elle veut du toc. Ah, ça, j'aime beaucoup, ça. Ça, j'aime beaucoup, ça, la mort. Les cercueils. Oh, il est lourd. Oh, il est super lourd. $40. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il est lourd, le cercueil. Après, vous avez celle-ci, là, les classiques. Combien elles sont, celles-là? Il n'y a pas les prix, c'est relou. C'est pour moi, ça. Le peignoir Hollywood Tower, combien elle coûte? 250 €. $75. Ouais, j'aurais dit plus, tu vois. Ouais. Bon, pour une fois, c'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable. Ouais, ben bon. T'es à Disney World, hein. Par contre, ils sont un peu en avance, là. C'est Halloween, non, moi, je suis pas d'accord. Quand c'est Halloween, quand c'est Noël, ok? Vous m'enlevez ça, hein. Bon, allez, Boulbi, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va aller... Hein? On continue ou on continue pas? Ah bah oui, on continue. Allez, let's go. On a pris ça pour Lana, parce que notre bébé, il nous manque trop. C'est un frère, on va mettre comment dans le sac? Je vais le mettre dans le sac, ça passe. Ça rentre pas dans le sac. En fait, ça fait des bulles. Mais c'est pour mon amour. Vous appuyez, ça fait des bulles. Et j'ai pris ça avec parce que j'ai très très soif. Attends, regardez, on va regarder le prix pour la petite sirène et la bouteille, ok? $37. $37 pour les deux. C'est un peu cher, mais c'est pour Lana, on l'aime. Voilà, pour Lana d'amour. Ça fait voilà les bulles, c'est des barres. Oh, thank you. Bye. Goûte, je te jure, goûte, goûte. Il n'a pas le même goût. Mais non, il est bon, regardez, tiens, regarde. Power Aid. Vous oubliez la bouche du Power Aid. C'est pas Power Aid, c'est Power Aid. C'est pas bon. Moi, j'ai kiffé, moi. Déteste. Non, c'est bon, c'est bon. Ça a l'air pas mal en fait. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. $16, franchement, ça va. Et en vrai de vrai, les gars, ici je mange comme un gros porc, vous savez pourquoi? Parce qu'en France, je suis un gros. Aux États-Unis, ça m'aide bien. Je suis bien. Je m'en fous, c'est vrai. Là, on y va. Ah oui, on va de l'autre côté. Je vous jure, ici je me sens bien ici. Je peux manger. Pour les USA, je suis belle. Ah oui, oui, allez, on va manger, on va manger. I'm not afraid to die.
sortir de Rock'n'Roller Coaster. On est dans la boutique de Relais. Rock'n'Roller Coaster, j'ai mal au crâne. Dans le premier vlog qu'on avait fait, j'avais dit non, le Nout il est grave plus speed. Okay. Là on nous a mis tout derrière. Je suis mort de rire, c'est grave bien, moi je vous laisse derrière. Il nous a mis tout derrière au dernier wagon. Il est aussi rapide que le nôtre. Il est grave rapide. Il m'a tourné la tête. Peut-être que j'ai oublié qu'il était aussi rapide. C'était trop marrant. J'étais mort de rire dans tout le wagon parce que je me suis dit, Bulbi, comment il doit être? C'est sûr que t'as au fin. Je t'imaginais, je devais être toute seule. Ah bah. Tourner la tête, attention c'est connu dans les attractions que tu mets à l'arrière pour les sensations. Là je m'y attendais pas parce qu'on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait et il était plus lent que le nôtre. Et tout derrière c'est pareil, hein. C'est la même chose. Le nôtre qu'on a pu d'ailleurs, il a changé, on l'a pas fait depuis. Petite note Bulbi. 3 sur 5 ouais. Un bon 3 sur 5. Un bon 3. Ouais. Décor en Miami, Hollywood, tout ça. Non, franchement, c'est des trucs. Ouais. Moi, c'est sympa à faire. D'ailleurs, nous, on l'a plus, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Pour Lana. Regardez pour Lana. Je l'achète ou pas? Pour mon bébé d'amour. Mais pour mon bébé d'amour qui nous manque. C'est combien ça? 25 dollars. 25 dollars, franchement, je préfère lui acheter ça. Ça va. Elle est petite, ça va mettre à la bouche, ça. Combien il coûte celui-là? Il est balèze. Mets-toi à côté, Bulbi. Oh, il est trop beau. Regarde comme il est beau. Je crois que je vais lui acheter ça. Hein. Attends, ah oui, je vais lui acheter veut ça. Attends. Oui, je vais acheter ça. Je m'en fous. Bulbi veut tout acheter même si elle a un an. Elle veut oh, j'achète tout, moi, c'est pour mon bébé, wesh. Pour mon bébé. Il est trop beau le chat. Eh, regardez, il est trop beau, il s'allume et tout. Alors, je ne comprends pas comment il peut être aussi lourd. Il est lourd? On dirait pas, mais je vous jure, il est grave lourd. Il est super lourd. Ils ont mis quoi dedans? Du plomb. Ils ont mis du plomb. Combien il coûte celui-là? 40 dollars. 40 dollars. Ouais, il est cher un peu. Hein, mais bon. Non, en vrai, ça va. Oh, c'est mignon, ça, regardez. Bon, 40 dollars, ça aussi, c'est cher, mais regardez, c'est mignon. C'est mignon ou pas? 40 dollars. Et est-ce que c'est que ça Bulbi? Non, il est moche, mais j'achète de là. Je vais ramener ça à Lana, elle va flipper. Ouais. Non, elle aime trop la fois. Elle est toujours une poupée avec une bouche comme ça, grosse. Elle était vraiment de dessous. Ah ouais? Hey! Non, elle est grave moche. Genre, elle est moche. Elle achète plus ça, non, pendant que tu y es. Non, pas ça. C'est tombé. C'est tombé. C'est ça qu'on a acheté tout à l'heure. Fais-le fonctionner pour voir. Et tu crois que je mets des bulles dans la tête? Pour l'utiliser, tu l'utilises, elle aura plus de bulles. Ah ouais? C'est stylé, ça fait des bulles. Je voulais acheter ça pour Lana, Bulbi, elle veut pas encore. C'est pas le château, elle veut pas, attends, ça, elle veut pas. C'est pas ce que je veux pas. Bien sûr que je vais acheter tout. Elle a un an. Elle a un an. Mais même un an. C'est beau, regardez, c'est beau. Oui, c'est beau, mais moi aussi j'aime trop pour Lana, mais quand c'est un peu plus grand. Regarde, voilà, elle veut lui acheter ça. C'est combien ça? 27 dollars. Ah, ils abusent, hein. Elles sont là-bas, mes oreilles. Ah, vas-y, viens. On va voir les oreilles de Bulbi. C'est marrant, ça. Non, ça nous va bien, ça, les donuts. Ça, c'est pour nous. Ah oui. Combien? No price. No price. Ils mettent pas les prix. Ça par contre, ça ils abusent. Hein. Ça doit coûter à peu près 30 dollars, hein, à peu près. Les as, Bulbi? Ah, voilà. Ceci, tu les as? Voilà, ça là je les ai. Les as déjà achetés? Voilà, Halloween. Moi je dis celles-ci, elles sont bien. Alors, ça va plus, c'est le thème, c'est Halloween. Hein. Elles sont belles, non? Ah ouais. T'es dans le thème. Ça fait très crunchy. Ouais. On apprend la casquette. Moi, franchement, cette casquette, pour moi, elle est opérationnelle. Je kiffe Halloween, la citrouille, Mickey, c'est dans le thème. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, 30 dollars, je la prends ou pas? Ah, Bulbi, viens voir, je veux ton avis. Oh, la citrouille. Je vais prendre cette casquette, je crois, Bulbi. Ouais. Je la prends ou je la prends pas? Ouais, vas-y. Donne-la moi. Elle est trop grande là. Vas-y, c'est pas grave, ça me donne. Ah, elle est en train de me tuer les oreilles.
Ouais, je la prends. Ouais, je prends celle-là. $30 la casquette Halloween. Ouais, je l'achète, c'est beau. Et Boubi, tu prends quoi, toi? Tu réfléchis? Édition Halloween. Tu veux voir, Boubi, tourne-toi. Bouge pas. Il est stylé, hein, le petit sac Halloween. Mais bon, ça, tu l'utilises une fois. Il coûte combien, celui-là? $150? Ouais, le problème, c'est que celui-là, tu peux le mettre une seule fois. Non, je peux pas mettre celui-là. Et pour info, il coûte combien? $88. $88. Pour en mettre une fois, non? Ouais. Ouais, ouais, c'est mignon. Attends, faut voir, je vais faire un zoom dessus. Ouais, elles sont belles, celles-là. T'achètes pas? Non. Non, ok. Moi, je l'achète, je la prends, hein, c'est sûr. Vous en pensez quoi, franchement? Attendez. Oh, it's my fault. C'est le casquette Nike. Nike. Officiel, Mickey. Mickey. Ah ouais. C'est grave bon. Combien elle coûte, celle-là? Donc, c'est cher. Parce que c'est Nike. Et 40. Ouais, $40, ouais, parce que c'est Nike. C'est trop drôle. Nike Mickey, ouais, débat. Nike Mickey. Absolument. Oh, c'est pour les chiens. Pour les chiens? Ah merde. Mais non, c'est un truc. Pets. Ah ouais. J'ai dit pour Lana, c'est un truc de clébard. Pardon mon bébé. Oh pardon. Pets. Ah ouais, vêtements animaux, ouais, t'as raison. Ah pardon mon bébé. Oh là là. Les manches, elles sont dans le dos. Ouais. C'est pas normal. Ouais, j'ai dit n'importe quoi. Bon allez, je vais aller payer ma casquette moi. J'ai acheté ma petite casquette d'Halloween, je vais la mettre sur Epcot. C'est bon? C'est bien. J'ai voulu un souvenir d'Halloween, absolument. Et ben voilà, t'as une casquette. Donc par contre, c'est notre premier jour de temps. Et on commence déjà à dépenser de ouf. Là, on a déjà dépensé plus de $250, je crois. Ouais. C'est pas grave. Hop là. Donc Disney World. C'est pas mon téléphone. Toi, c'est quoi que t'as comme téléphone? 14 Pro. 14 Pro, bah. 14 Pro, il est là. C'est combien? $35. C'est combien ça? $25 pour être ressemblé à Pluto. Ah, jette-moi ça là. Il y a des beaux objets, hein. C'est intéressant. Oh là! Oh là! La tête de bol, hein, on dirait un bol. Ouais, je vous disais. Ah, c'est $40. Voilà, on a enfin le prix des oreilles. $40. C'est $40 ici. Et ici, c'est 35. Ici, c'est 35. Ah, voilà, il est là, le donut, vous le dites. Elle est Star Wars. Ça, c'est les Star Wars. Ouais. Celui-là il est beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Attends, regarde-moi. Ouh, c'est les 100 ans Disney. Celui-là, c'est une édition limitée, hein. C'est pas pour Chevron, mais... on n'arrête pas de dépenser, je vous jure, c'est trop. C'est notre premier jour. Ouais. Après la casquette que j'aimais bien. Ah ouais. Tu choisis la casquette ou l'autre? Attends, c'est une taille enfant comme toi. Mais si tu rentres. Il y a encore Nike. Ah ouais, Nike. Ah, elle est jolie, j'aime bien. Elle est belle, fais voir, je zoome. Recule. Ouais, elle est belle, hein. Elle est pailletée et tout. Franchement, elle est belle. Elle est à combien celle-là? $20. $20, ça va, $20 en plus. Mais t'es un enfant, toi, regarde. Ta petite taille. C'est période Halloween. J'ai quasiment pas vu d'Halloween dans le parc. Ils te mettent Noël, frère. Wesh, vas-y. Ah ouais, non. Par contre, là, ils ont déconné. On est en octobre, mais t'es Halloween. Ah ouais. Hey, sur ça, j'ai grave le seum, les gars, je vous jure. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis venu à cette période exprès parce que c'est Halloween. Y'a rien. Y'a que des trucs de... Hey, j'ai vu trois citrouilles et tout le reste, c'est... Ouais. En fait, c'est Disney, on n'a plus qu'un parcours. Mais je pense que Universal, c'est au level... J'espère. On va faire le meilleur pour la fin, Universal. Ouais. Si Universal, ils me font ça,
Ah non, je reviens plus jamais. Vraiment. Ah, je te jure. Vraiment, vraiment incroyable. Mais ouais, mais ça fait combien le sapin aussi? 35$ une 35$. Waouh. Waouh, putain. C'est là, c'est là, c'est magnifique. Faut pas les casser. Hein. Mais 35$ une, non, ils ont 12. Mais elles sont trop belles, hein. Regarde. Je vous mens pas, regardez, 35$. C'est joli de ouf, mais sympa, tu peux pas en mettre qu'une seule, t'en mets voilà. En plus, c'est pas Noël, c'est Halloween, là. Ouais, petit pull. 45$. 45$ le petit pull. Franchement, il y a des beaux trucs, hein. La vérité, c'est stylé de ouf. Moi-même, j'ai envie de m'en acheter un. Hein. Je vous jure. On sort des magasins, s'il te plaît. Parce que sinon, on va faire des folies. Allez, c'est là. Que même si on fait pas d'attraction, on l'a fait là. Mais juste passer du temps dans les boutiques. Ouais, c'est ça qui est bien. À Disney World et au Studio Universal, même si vous n'êtes pas friand d'attractions, ben les parcs sont tellement agréables que tu te promènes, tu vas dans des landes, t'es dépaysé. C'est vraiment incroyable, je vous jure. Même si tu kiffes pas les attractions, être ici, c'est un plaisir. Ok, les amis, fin de journée à Hollywood Studio pour nous. On a kiffé. Franchement, on a kiffé. C'est un excellent parc. Il est au-dessus d'une autre. Bien que le nôtre, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Il y a des choses qui ont changé, je crois. Il y a un Marvel maintenant, etc. Mais. Faudrait qu'on le fasse. En tous les cas, je suis sûr à 99% que celui-ci reste au-dessus d'une autre quand même. Avec le land Star Wars, etc. C'est un bon parc. C'est vraiment un bon parc. Le petit bémol aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde. C'est un peu relou l'attente, mais au final, le parc il ferme dans 2-3 heures. On a déjà fait ce qu'on voulait faire. On a bien mangé. On s'est bien amusé comme d'habitude. Il y a beaucoup de choses. Il y a des trucs qu'on n'a pas refait parce qu'on voulait pas les refaire, comme Star Tour. C'est quoi qu'on voulait pas refaire? La Belle et la Bête, etc. Les shows. Hein. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous voyez depuis le petit début. Ouais. C'est pas pour tout pareil parce qu'en fait, déjà il y avait beaucoup moins de monde. On a choisi ce que nous voulions faire. Donc la première fois, on a tout fait pour tous les produits. Sur le merchandising, incroyable. Des articles qui sont toujours aussi beaux, nous. À chaque fois qu'on vient ici, on se fait dépouiller, mais franchement, veux-tu acheter? T'as veut tout acheter. Par contre, ma déception, c'est que là, je suis venu ici, moi, pour Halloween. Et puis, elle m'a suivi. Je suis partout. Ouais. Moi, je suis venu pour. On l'avait fait à Noël, là, je suis venu pour Halloween. À part 3 citrouilles à vendre dans un shop, 0 Halloween. Ouais, moi, je pense déception. Ouais. Moi, je pensais voir aussi de la déco dans le parc à Noël et tout. Ouais. Pas du tout. On va rapidos pour la suite. Hein. Demain, on enchaîne. On continue demain. Et en attendant de se revoir. Surtout. Faites-vous plaisir. Ta-da-da. Là, je peux le dire. Là, tu peux le faire. Là, on est dans le thème. Là.